Le projet que nous vous présentons aujourd'hui porte sur la création d'un lieu de vie et d'échange adapté et accessible aux 16-25 ans pour toutes les questions liées à l'entrepreneuriat et à la construction de projets. L'objectif est d'accompagner, grâce à l'interconnexion de tous les acteurs, les 16-25 ans dans l'émergence, la conception et la mise en œuvre de tous leurs projets professionnels et personnels afin de leur donner toutes les clés pour réussir. Nous avons imaginé la création, au cœur de la ville, d'un lieu de référence. Vrai laboratoire de projets de vie, il sera un tremplin pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il sera la passerelle entre les jeunes et les structures expertes dans le domaine de la création d'entreprises et de la démarche projet. Un nouvel espace en plein centre-ville du Havre pour accompagner les jeunes vers l'entrepreneuriat. La mission locale va développer ici en 2018 un lieu d'information mais aussi de travail destiné aux jeunes sans emploi de 16 à 25 ans. Le labo aura pour vocation de donner les clés à des jeunes pas toujours armés pour créer leur propre entreprise ou qui n'osent pas franchir les portes de structures déjà existantes. L'idée, c'est vraiment d'être une passerelle, qui a un bureau, qui a un espace multimédia, qui a un ordinateur, qui a une imprimante 3D, qui a de l'accompagnement et également des partenaires financiers, des partenaires qui sont des juristes, des partenaires spécialisés dans la création d'entreprises pour les aider dans un environnement dans lequel ils se sentiront à l'aise pour exprimer en tout cas tout leur potentiel. Ce nouvel espace qui a vocation à rayonner sur l'ensemble du territoire du Havre à Fécamp viendra compléter l'offre de services de la mission locale qui consiste à accompagner les jeunes dans tous les champs d'action menant à leur autonomie. La mission locale accompagne 8000 jeunes de la Pointe de Caux dans leur recherche d'emploi mais aussi dans leur démarche sociale. Elle leur proposera désormais un tremplin vers la création de leur propre entreprise, une action pour laquelle elle sollicite l'accompagnement des entrepreneurs locaux, tant financièrement qu'en matière de réseau et de compétences. La création de cet incubateur vise également à apporter des réponses au public jeune qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi et à l'autonomie et qui se tourne rarement vers les structures accompagnatrices, à ceux qui, inhibés par la peur de l'échec et la complexité des démarches, ne savent pas et n'osent pas se lancer dans l'aventure. Et pourtant, l'accès des jeunes à l'emploi et à l'autonomie par la création et ou la reprise d'activité est un enjeu majeur pour les moins de 30 ans, dont plus de la moitié estiment que l'entrepreneuriat est un choix de carrière intéressant. Cet espace a vocation à redonner confiance aux jeunes et les préparer à valoriser leur potentiel entrepreneurial. Ce lieu proposera un accueil, une information et une orientation. Une plateforme partenariale d'interconnexion d'acteurs. La mise à disposition d'infrastructures. Et une formation sur la sensibilisation et l'initiation à l'entrepreneuriat. Cet espace à forte valeur ajoutée sur le territoire viendra compléter l'action des structures existantes. Il se positionne comme un révélateur de talents d'un public ne se tournant pas ou peu vers les structures accompagnatrices. Il suscitera leur envie d'entreprendre et donc l'émergence de leurs projets professionnels et de vie. Il renforcera leur employabilité grâce à une pédagogie innovante et adaptée basée sur la transmission de compétences et des mises en situation. Et proposera également, avec les outils de la mission locale, un accompagnement renforcé tant sur le volet social que professionnel. Situé au 20 de la rue Jules Le Seine, face à la bibliothèque Armand Salacroux, ce lieu sera équipé par un mobilier en palette de récupération fabriqué par une association d'insertion. Le labo, mon espace pour oser entreprendre.